Donc, on va regarder un peu la construction du robot, quelques petits trucs. D'abord, quand on a construit le robot, peu importe le plan, ça va s'assurer que c'est solide. Donc, c'est supposé ne pas pouvoir trop bouger. Ça va améliorer votre précision quand on va programmer le robot. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de petites broches-là pour que les fils se tiennent et ne soient pas dans les jambes quand on, par exemple, on met le capteur de distance. Donc, c'est plus intéressant de cette façon-là. Et le pneu sur la jante. On a ici des espaces pour que notre pneu vienne bien s'installer. Donc, quand il n'est pas bien mis, si j'essaie d'écraser, on va voir que ça sort bien. Lorsqu'il est bien installé, il va rester installé dedans. Donc, un pneu bien placé sur la jante va faire en sorte qu'il va mieux rouler et la ligne droite sera plus facile à avoir. Donc, ça, c'est un petit truc pour la construction.